Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo aujourd'hui de voyance. Je vais vous expliquer pourquoi. Je sais, j'ai un air un petit peu dramatique, mais cette nuit, j'ai pas dormi. J'ai pas dormi. Enfin, très peu. Enfin, oui, non, pas dormi. On peut dire pas dormi parce que j'ai fait des rêves vraiment bizarres. J'ai fait des rêves bizarres et du coup, j'ai eu des infos bizarres, des flashs très bizarres. Enfin, ça fait beaucoup de fois le mot bizarre pour une vidéo, je sais. Vous allez trouver ça très bizarre, mais ma communauté et ceux qui suivent mes vidéos, j'ai la tête coupée, j'ai horreur de ça. J'aime bien voir les yeux des gens et leurs expressions et leurs visages. Bon, je sais pas pourquoi, en plus j'ai pas mis de couleur aujourd'hui. Bref, je me sens pas très bien. Je savais pas si... Tiens, je vais prendre ma boule de cristal. Je savais pas si je devais faire cette vidéo ou pas. J'ai demandé à mes lumineux et je me dois de vous... Oui, de vous dire certaines informations. Alors, ça va pas être drôle parce que je viens en plus. Donc, nous sommes en avril 2023. Ça va pas être marrant parce qu'en plus, je viens de vous poster deux vidéos de retour positif que vous m'avez fait. Vous m'avez envoyé les liens. Merci beaucoup aux personnes qui s'investissent vraiment beaucoup dans la chaîne depuis 3 ans et qui me font des retours sur des vidéos des fois que j'ai fait il y a 3-4 ans. Alors, j'ai mon cabinet depuis 17 ans. Et j'alimente la chaîne depuis début 2020, fin 2019. Et c'est vrai qu'en 2016, 17, 18, c'est vrai que ma mère, elle avait fait beaucoup de canalisation. Elle n'est pas du tout sur les réseaux sociaux. C'est une dame d'un certain âge, puisque moi aussi, j'ai un âge certain. Donc, c'est sûr, elle m'a pas eu à 12 ans et demi. Bref, j'ai pas envie de rire, mais alors pas du tout. Et bon, bah déjà, voilà. Donc, j'ai ma boule de cristal. Et donc j'ai noté, j'ai pris des notes et je vais utiliser un jeu. Donc je vais faire un petit tirage pour vérifier ce que j'ai vu. Donc retour positif pour les soignants. Donc vous m'avez fait les captures donc mars 2023. Donc j'avais fait la vidéo en mars 2022. Et vous voyez, il faut laisser le temps aux prédictions de venir. Et quand on fait des prédictions de voyance, on n'a pas d'information. On pose une question. Et la personne qui a reçu cette capacité ou bien qui maîtrise la cartomancie, donc je vais utiliser un oracle spécial, un ou deux oracles spéciaux, ben, interprète les oracles et ses ressentis, les ressentis qui vont avec. Et là, dans ce que j'ai vu cette nuit, donc retour positif pour que je ne me perde pas, je suis bien ancrée, mais retour positif, donc, pour la réintégration des personnels soignants dont je fais partie jusqu'à preuve du contraire. Hein. Toujours mes diplômes et mes qualifications et j'y retourne quand je veux, si je veux et si j'ai envie surtout. Retour positif pour les soignants, retour positif pour l'eau. Donc l'eau, ça fait déjà 2 bonnes années que je vous prépare à des problèmes d'eau. Je vous disais toujours, ça ne sera pas le pétrole. J'avais eu ces visions. En voyage astral, j'avais d'un côté une pompe à essence avec du pétrole et de l'eau croupie, donc manque d'eau. Et je le prédis depuis. Donc j'ai fait une vidéo l'année dernière, en juillet-août 2022, et les retours positifs tombent maintenant. Et le meilleur moyen que Loulou du Palais à utiliser pour restreindre la consommation d'eau, c'est d'augmenter son prix. Et ça, je le prédis clairement dans la vidéo plusieurs fois. Je me suis épatationnée moi-même d'ailleurs. Quand vous m'avez envoyé cette vidéo et que vous m'avez dit, au fait, Lisa, regardez ce qu'il a dit Loulou du Palais. Puisque comme vous le savez, je me coupe souvent de télévision. Je préfère lire. Je suis partenaire avec des maisons d'édition. Je préfère lire et c'est vrai que j'aimerais passer mon temps sur la chaîne à faire... que des vidéos de lecture et d'enseignement spirituel, évidemment. Mais je dois aussi guider les troupes et quelquefois aller rechercher les brebis égarées. C'est le rôle
de tout médium qui se respecte. La médiumnité, le mot médium est un mot qui a été posé à Allan Kardec parce qu'il fallait mettre un mot sur cette capacité dont dispose la plupart des êtres humains, mais certains plus que d'autres. Pareil pour les chanteurs, les musiciens, les acteurs, les actrices, les peintres. Les peintres, les danseurs, les danseuses, on peut prendre 100 années de cours de danse et danser la danse des canards toute sa vie, ou danser comme un ours, comme mon mari. On peut prendre 500 années de cours de chant si on n'a pas le chant, les cordes vocales, l'oreille, la mémoire pour pouvoir changer, chanter correctement. Il faut savoir mémoriser les textes aussi et les interpréter correctement, et ce sont les autres qui vous disent ou si oui ou non, ou qui feront votre succès ou pas. Alors c'est sûr, si vous chantez comme une gamelle, vous n'allez pas faire carrière. Mais c'est pareil pour cette capacité, et c'est pareil pour la cartomancie, la voyance, la divination, qui est très fortement utilisée à des fins mercantiles et blablabla. On va pas recommencer l'histoire. Bref, ça sert à guider, ça sert à être éclairé, ça sert à comprendre ce que nous vivons sur le plan de vie. Donc, je vais d'abord utiliser mes célèbres tarots, le Rider-Waite, et je vais vous expliquer ce que j'ai vu cette nuit. Parce que là, quand même, je me suis dit, après l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que on va continuer d'être surtaxé comme ça? Donc, vous savez que même quelquefois, avant les allocutions, si vous remontez dans la playlist des prédictions, avant les allocutions, on ne peut pas le savoir, ça. Il n'y avait rien dans les journaux. Enfin, je disais presque textuellement, et ça, vous pouvez retrouver dans le groupe et vous pouvez retrouver dans la playlist des voyances médiumnité que j'ai fait sur ma chaîne. À quelques mots près, j'étais capable de dire ce qu'il allait dire et ce qu'il allait faire. Voilà. Alors là, on m'a tellement donné d'informations que je ne sais pas par où commencer. Donc, est-ce que l'armée va toujours venir sauver le peuple? Parce que depuis 3 ans, on attend. Donc, on va quand même poser la question au tarot. Il y a des chaînes qui font fortune, hein, des gens qui font fortune sur YouTube en utilisant les cartes et la cartomancie, et qui nous prédisent que l'armée va venir à notre secours, qu'il va y avoir une alliance humaine, que le pape, alors on avait bien rigolé lors du direct pour l'histoire du pape, bon bah ça va être une femme, que Loulou du Palais est une fille et sa femme est un garçon, enfin bon bref, voilà, les élections présidentielles, il devait paraître être élu, ça c'est vrai, et je me pose la question si tout ça c'est vrai. Si on n'est pas nous, toute petite communauté, plongée dans une réalité finalement, un grand sketch, un truc qui n'existe pas, est-ce que c'est bien bidon, président des bidons unis, est-ce que Loulou du Palais est toujours vivant? Est-ce qu'il n'est pas 10 fois cloné? Vu les progrès de la science, on est capable de faire de la PMA. Peut-être qu'on en a fait une là en quelques temps, en mode accéléré, et que c'est vraiment pas Loulou du Palais. Hein, parce qu'il y en a qui l'entendent dans leur box. On m'a dit qu'il était dans les box. Alors moi, je suis piratée 36 fois cette nuit, 36 milliards de fois les nuits d'avant. Vu le mot de passe en mode Tupperware que j'ai mis, ça va être compliqué, les mecs. Hein. Donc, à moins de... Alors, on va vérifier ces informations, si vous êtes d'accord. Oh, puis non, je ne vais pas utiliser les tarots. Je vais prendre le Just Be Witch, hein, de Karine Just Be. Bon, maintenant, on va la nommer correctement, la pauvre, parce que... moi, je l'appelle Karinette. Bon, moi, j'ai droit... C'est normal, c'est Karinette. Donc, Karine Just Be, qui est une créatrice d'oracle qui a été plagiée, comme moi, mes vidéos sont plagiées aussi, est une cartomancienne avertie. Donc, voilà le jeu. Je vous présente le dos des cartes. Et donc, c'est le Just Be Witch oracle que je vais utiliser pour cette vidéo, parce que est-ce qu'on vit dans un monde vraiment réel? Mais vu les infos que j'ai reçues sur cette nuit, je pense qu'on a tout faux. Je pense qu'on s'est trompé et que
ce que j'avais vu dans le futur et qui se réalise hein, au fil du temps, je n'ai que des retours positifs, mais en fait ce serait des retours négatifs hein, parce que je fais pas le buzz, j'en connais d'autres qui font pas le buzz, et ce que j'ai vu c'est vraiment inquiétant. Donc on va regarder avec le Just Be Witch. Alors déjà, qu'est-ce qu'il nous dit le Just Be Witch? Vous voyez, j'ai déjà trois cartes qui sont tombées. Donc, ils nous disent le lièvre, transformation, indépendance, liberté, rapidité, l'enfant et le champignon. Oui, bah, parce qu'on nous prend quand même par des champignons. Donc, patience. Donc, sur les cartes, vous verrez à l'envers, c'est dommage, il y a des mots-clés. Donc, première carte qui est tombée, c'est le lapin, le lièvre. Hein. Ouais, bon, bah, ça, c'est le coup du lapin, on connaît. Transformation, indépendance, liberté, rapidité. Donc, on voit que les choses s'inversent avec rapidité et que les faux deviennent vrais et que les vrais deviennent plus faux que les vrais. Ah oui, non, mais je parle des voyants. Ah oui, non, mais vous n'aviez pas suivi. Et c'est pareil pour Loulou du Palais, en fait. C'est un faux aussi. Puis c'était des fausses sélections. Bah, du coup, là, c'est ce qu'ils disent. Hein. C'est le coup du lapin. On s'est foutu de nous. On s'est foutu de nous. On s'est trompé. Hein. Bon, moi, je vais faire mon mea culpa. De toute façon, moi, je sais demander pardon. Ensuite, j'ai l'enfant. Donc, la naissance. Donc, un nouveau départ. Hein. Moi, je pense qu'il y a des événements. Hein. Donc, je pense que ce que j'ai vu cette nuit et ce qu'ils m'ont dit, c'est vrai. Et puis, il y a le champignon. Oh, c'est dommage, c'est pas un jambon. Parce que souvent, je dis qu'on nous prend pour des jambons. Donc, patience, mon enfant. Alors, si je lis l'oracle de Karine Jusby, hein, si je lis l'oracle, alors on peut le lire dans ce sens-là, on peut le lire dans l'autre sens, on peut le lire aussi à l'envers. Hein, à l'envers, c'est bien aussi. Je pense qu'à l'envers, c'est bien. Puis, ne quittez pas parce que je vais utiliser un autre jeu que vous ne connaissez pas. Donc, patience, mon enfant. Avec le temps, l'herbe devient du lait. Ah, bah alors ça veut dire quoi cette phrase? Parce que patience, j'ai patience avec le champignon. Alors c'est étonnant avec un champignon. Alors j'espère qu'il n'est pas nucléaire parce qu'en fait la carte elle était à l'envers. Donc si la carte elle était à l'envers, ça veut dire que c'est pas un vrai champignon, c'est un champignon vénéneux, c'est ça? Donc patience, donc j'ai l'enfant. Hein, vous voyez l'enfant. Donc l'enfant, lui, il était à l'endroit. Alors champignon à l'envers. Je sais pas si Karine, tu passes par là, si tu pourras nous expliquer. Et j'avais le lapin. Ah oui, parce qu'on arrive à Pâques quand même. Alors le lapin, c'est peut-être Pâques. Donc les événements, rapidité, patience, mon enfant, avec le temps, l'herbe devient du lait. Ben, des événements, donc ils me l'ont bien dit cette nuit. Hein. Et Pâques cette année, alors je regarde, on est en 2023. Pâques cette année c'est le 8, ça m'avait étonné d'ailleurs, ça m'avait étonné parce que ça sera samedi 8, 9 et 10, donc 3 jours de repos. Yes, enfin pas pour ceux qui sont travailleurs indépendants évidemment, ceux-là faut qu'ils bossent. 3 jours de repos c'est pour les autres, ceux qui gagnent bien leur argent correctement ou qui sont salariés, qui peuvent se permettre. Alors je vais retirer deux cartes, donc j'ai patience mon enfant, le lapin deviendra grand, ou le lapin va manger les œufs de Pâques, ça doit être ça. Bon, alors moi je vous cache pas qu'on m'a dit des choses pour la Milborne et qu'on m'a dit, on m'a parlé d'une taxation supérieure sur les œufs de Pâques. Le chocolat, alors ça m'embête bien parce que moi je mange beaucoup de chocolat. Tiens, ah bah la carte elle est tombée devant vous. Hein, mes amis. Ah, j'ai pas ma pierre, j'ai pas mon caillou dans ma main. Alors, je prends mon caillou dans ma main, ça fait plus vrai aussi, c'est bien, ça fait bien ça. Ouais, j'ai le caillou, hein, les amis. Ah, alors, la carte qui est tombée, c'est mort. Oh là là, libération, changement, deuil. Non, mais le jeu, il fait peur, hein, bon. Bon, c'est Karis Jonesby, hein. Faut un caillou dans la main, ça fait mieux. Puis j'ai mis mes bracelets. J'ai ma main de Fatma et puis ma croix, parce que comme c'est Pâques, c'est la fête la plus importante pour les catholiques. Et là, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il y a deux fêtes qui se passent, qui se télescopent. Donc, on va vers une libération pour moi, parce que le Ramadan se télescope avec la fête de Pâques chez les chrétiens. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous l'aviez vu, hein, il y en a qui avaient remarqué que j'avais mis ma main de Fatma. C'est ma petite Angèle qui m'a offert le bracelet. Et ça, c'est mon petit yo-yo. Et il vient d'Italie. Je l'adore, ce bracelet.
Il vient d'Italie, de je ne sais plus où, là, une grande cathédrale, pareil. Oui, je reçois beaucoup de cadeaux. Alors, j'ai la mort. Donc, c'est bien ce que je dis, la fin d'une situation. On arrive au bout, les amis, mais je pense qu'après l'eau, on va quand même retirer une carte. Après l'eau, à mon avis, vous voyez, le jeu parle tout seul. Le jeu parle tout seul. Donc on a le lapin, l'enfant, le champignon nucléaire à l'envers et le truc qui fait... voilà quoi. Moi je vous le dis, hein. Non mais là, ça, je peux pas en parler. Non, non, je vais pas pouvoir. C'est... Oh non, je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Après, Karine, si tu passes par là, si tu as le courage d'interpréter. Ah, oh, puis en plus, oh là là, je retombe sur la tête de mort dans le coin là. Oh, alors, j'ai la tête de mort de ce côté-là. J'étais, oh non, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Bon, je vais continuer. On va voir s'il y a une autre carte qui sort. C'est un jeu très puissant. Hein. Alors, je ne sais pas si elle en a encore, parce que c'est pareil avec cette créatrice-là, c'est très étrange. C'est que vous voulez commander un jeu, ils sont tellement beaux, ils ont tellement de succès qu'il n'y en a plus dans la boutique. Ah, oui, bon, ça fait comme moi pour les consultations. On ne va pas se plaindre. Hein. Ça fonctionne. Hein. Tant mieux pour elle, hein. Ça le mérite. Bon, oh, j'arrête pas de voir cette tête de mort. Il faut que je prenne mon caillou, parce que les cailloux, ça fait bien dans les vidéos. Bon, alors. Oui, je sais, je suis un peu sarcastique, mais vu ce que j'ai vu cette nuit, à mon avis, il va nous tomber un truc dans le coin de la tronche, là. Et vous savez que moi, quand j'ai mes flashs la nuit et que je dors pas, quand je rêve la nuit, que je me couche très tard, parce que je lis aussi très très tard et très très tôt, et au milieu aussi, et pendant, quand je dors, par exemple, je dors. Je m'endors à 23h et je me réveille que le matin. J'appelle ça un touchou, c'est extrêmement rare. Mais que je suis réveillée parce que j'ai que des flashs, donc du coup de 11h jusqu'au matin, j'ai que des flashs et je suis réveillée. Hein. Donc quand je dors de 23h jusqu'au matin, mais que j'ai que des flashs et je suis réveillée, ben c'est quand même bizarre. Ah, j'ai la couronne. Récompense, autorité, fierté. Ah bah ben, j'ai la couronne, le peuple va gagner. Le peuple, l'armée, tout ça, l'alliance humaine, tout ça, ça va voir le jour. Hein. Et puis bientôt, on va avoir une druidesse au Vatican. Ouais, j'ai vu qu'il y aurait une druidesse au Vatican. On va inverser les Celtiques, les Bretons vont partir vivre à Rome. Et puis les Romains vont revenir en France, hein, ils vont reconstruire des routes, parce que c'est les Romains qui ont construit les routes et tout ça. On a piqué l'idée aux Romains. C'était de grands bâtisseurs, les Romains à l'époque, le ciment, le béton, tout ça, ils ont tout inventé. Et à mon avis, ils vont revenir. On va mettre les Bretons là-bas. Et les Romains vont revenir envahir la capitale. Et Loulou du Palais va être bouffé par le lapin. Ah oui, parce que dans Alice, il y a le lapin. Hein? Ah non, c'est un chat. Mais il y a le lapin qui est toujours en retard. Il a toujours en retard, en retard. J'ai rendez-vous quelque part. Tout le monde connaît la chanson, hein? Bon, pas folle la guêpe. Bon, alors, autorité, fierté. Mais par contre, je sais pas ce que c'est. C'est un calice. C'est ce que c'est qu'un calice? C'est pas qu'un bientôt aussi. Hein. Bon, je vous explique tout. Ne quittez pas. Je vais prendre un autre oracle. Je regarde si le jeu, il veut nous jeter une dernière carte. Pardon, mais je suis désolée. Hein, le jeu, il parle. Hein. Ah bah ouais, l'été. Hein. Ah ouais, l'été, récolté abondance. Alors on a le... Oh, c'est très joli parce qu'elle a mis un papillon sur le pentacle et j'adore. C'est la protection hein, jusqu'à l'été. Hein. Récolté abondance. Ouais, et il y a un papillon. Ah, par contre, et je dois vous révéler les secrets. Voilà, j'ai la clé. Donc, j'ai la clé, donc je dois tout vous dire. Ouais, je vais vous dire les secrets, révélations, nouvelles, solutions, c'est cet été parce que ça recommence. Ça recommence. En fait, tout ce qu'on a fait en 2020, 2021, 2022 au niveau des prédictions, bah, faut tout recommencer parce que ça recommence les lavages de cerveau. Là, on est reparti pour jusqu'à 2027 et tout. Bon, bref. Alors, je prends un autre oracle et je vais vous faire les révélations que j'ai vues cette nuit en dormant. En dormant pas. Enfin, c'est compliqué à expliquer. Hein. Parce que quand je dors, des fois, ben, j'ai l'impression que je dors pas. Bon, bref. Alors, je vais utiliser ce jeu
Ça m'évitera de mettre des mots et de me faire déglinguer la chaîne par Google, ce qui m'est jamais arrivé d'ailleurs. Je trouve ça très étrange d'ailleurs. Moi, j'ai utilisé des mots normaux, hein. On n'a qu'à respecter les gens aussi, les appeler par leur nom. Donc, j'utilise ce jeu. Tiens, ça ressort le 200, c'est rigolo. Et là, ah bah j'ai la carte réparation. Donc, j'ai l'accident qui tombe. Bah voilà, bah, c'est ce que je vous disais, hein. J'ai l'accident qui tombe avec les réparations. Donc ça, ça va augmenter. Par contre, non, n'insistez pas. Pour ce qui est de la carte de la mort, non. Non, ça, je ne peux pas le dire. Non, je sais, je cherche un peu les noises, mais ça, j'avoue, je ne peux pas le dire. Puis, de toute façon, on n'a que ce qu'on mérite, hein, j'ai envie de dire. Voilà, quoi. Donc, ouais, ça va nous coûter une blinde au niveau des réparations. Alors, petit mille-bornes. Petit mille-bornes, est-ce que tu peux me dire si les flashs que j'ai vus cette nuit, au niveau de l'augmentation des vues sur les vidéos qui salissent les estomacs spirituels des gens, si ça va continuer? Ah bah 50, ah bah ouais, ah bah on y a droit, 50, hein. 50 000 vues, hein. Là la vidéo elle est dramatique, donc ouais, je crois qu'il vaut mieux raconter, ah bah tiens, regarde ce qui tombe. Rouler, vous connaissez le feu vert? Bon, alors c'est bon, on va pouvoir avancer là. On va pouvoir avancer les amis. Ayez confiance. Ah merde, oh pardon, excusez-moi, j'ai dit un gros mot parce que des fois, ça part comme ça, regardez. J'ai un stop, on n'avance plus. Ouais, j'ai un stop. Non, je suis désolée, vraiment, non, je peux. Oh non, non, non. Alors attendez, parce que du coup, on m'a dit pour 1000 bornes. Bah, la carte, vous l'avez vue, hein. Elle est tombée toute seule. Mais encore un stop. Hein. Donc là, c'est du stop and go. Hein. Pourtant, elle a mis les préservatifs gratuits pour les jeunes, hein, loulou du palais. Ça c'était bien ça, hein, pour les maladies. Ouais, pour pas faire trop de bébés, tout ça. La natalité, les retraites, qui c'est qui va les payer. Donc les préservatifs gratuits, pour moi, ça veut dire qu'il n'y aura plus de bébés. Hein. Une dénatalité complète. Hein. Bah, écoute. Les seringues gratuites, on encourage quand même le vice. Hein, donc, c'est normal que je tire la druidesse à Rome. Hein. C'est normal hein, que là, ça aille pas du tout au niveau du Vatican. La pièce, le truc, il est vide. Il n'y a personne qui veut prendre le truc du machin. Ah, puis j'ai... Oh là 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 là, puis j'ai Donald maintenant à la tête à babla autre chose. Oh, bon, on aura tout vu. Ah, je te jure. Alors, tu nous dis, petit mille-bornes, ce qui... Alors, on peut faire de la médiumnité avec n'importe quoi, hein. Donc vous prenez un oracle, n'importe lequel, et puis vous faites, ah bah j'ai la citerne, ah bah voilà, ah bah j'ai l'essence, ah bah j'en étais sûr, ils vont nous augmenter le prix de l'air, qu'est-ce que vous voulez les amis? Je vais prendre ma boule de cristal, puisque vu que c'est un cristal, ils vont nous augmenter le prix de l'air. Mais je vous avais pas dit que c'était taxé, l'air. Ah, oh là là, excusez-moi l'élu, j'ai tout mis à l'envers. Alors, on va retirer des cartes parce que dans la citerne, en fait, moi, dans cette carte-là, donc je sais c'est marqué essence, mais comme je fais les cartes comme ça, avec des cartes comme ça, parce que je vais gagner plein de sous sur YouTube, eh ben, moi, je dis que c'est... Non, parce que c'est de l'air. Ceux qui vous diront que c'est de l'essence, c'est pas vrai, hein, c'est de l'air qu'il y a dedans. Ils vont nous taxer l'air, vous allez voir. Et le feu aussi, ça c'est sûr. On va être sur le grill cet été. Alors, est-ce que tu peux nous dire au niveau du jeu de mille bornes, sans mauvais jeu de mots, hein, du jeu de mille bornes? Parce que là, je ne sais pas trop à quoi on joue, mais j'avoue que ce que j'ai vu cette nuit, ça ne m'a fait pas rire. Hein. Je l'ai dit dans le début de la vidéo, ce que j'ai vu cette nuit, non? Je ne me rappelle plus. Bah, vous me le direz parce que des fois, comme je suis perdue tout le temps dans l'espace-temps, par contre, c'est super grave. Hein. Et je me suis dit, là, je vais prendre mon plus bel oracle. Ouais. Non, parce que j'avais envie de prendre le... Comment il s'appelle? Vous savez, le... Oh, zut, j'oublie tout le temps son nom, c'est vrai. Attends, du coup, ça ne va pas faire très vrai ma vidéo. Ma vidéo va pas faire très vrai, mince. Ah, comment il s'appelle ce jeu? Excusez-moi, faut que j'aille vérifier le nom du jeu parce que je me rappelle plus.
Zut! Alors, grand déconnement, grand je sais plus quoi. Ah, oh, je sais plus. On peut prendre celui-là aussi, hein. Parce que là, avec cette carte-là, ça peut nous dire quoi? Le logis. C'est le maréchal des logis, c'est l'armée, hein. Ouais, et jeu de hasard. Donc ça, dans les prédictions, ça peut dire que c'est le maréchal des logis. Bah tiens, finalement, je vais le prendre. Et ça peut dire quoi? Bon, attendez, je fais quand même une coupe avec le grand. Ah, c'est Tata Yo-Yo, c'est ça. C'est le grand Tata Yo-Yo. Ah, bah, instabilité, hein. Bah, regardez. Si je le mets avec le stop et avec la citerne, bah, et si je complète avec la mort du Just Be Witch, c'est très clair. Non, mais là, c'est très, très clair. J'ai même pas besoin de parler, quoi. C'est plus qu'évident. La cartomancie, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a une instabilité, hein, au niveau de la mille bornes. Alors, je continue avec le grand Tata Yo-Yo. Tiens, regarde la carte, elle est là. Tu vois? Oh, ah ouais, les épées. Ah ouais, non, regarde, j'ai le 5 d'épée, la croix. Oh, ah, j'ai la croix. Ah ouais, non, non, ouais. Procès et tout. Oh, deux clous comme ça, c'est de la magie noire. Avec deux clous comme ça, ah ouais, non. Bah non, moi, je vous dis, si je reprends un petit mille bornes, je vais couvrir le grand Tata, Yo-Yo et le Just Be Witch avec une mille bornes. On se demande où elle va aller d'ailleurs. On se demande, mais ça j'ai déjà prédit. Hein. Je vous ai déjà dit, le chapeau de Tata Yo-Yo va être trop gros là. Oh ben alors, moi, regardez, vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire. Non mais c'est. Non mais c'est. Non mais c'est dingue. Ben, ça correspond à mes flashs. Voilà. Je suis devenue médium là en quelques jours. Ça correspond à mes flashs. Vous allez bien regarder les cartes. Regardez bien les cartes. Donc, ça, c'est une datation précise. Donc, j'ai 200 plus 100 plus 100 plus 200, ça fait 2, plus 4 plus 200, ça fait 600, 600, 700, 800, 950. Si je divise par la racine carrée du cosinus 650 plus... Bah, attendez, parce que je vais prendre ma calculatrice de mathématiques appliquées. Regardez, elle est super. En plus, elle est solaire, donc j'utilise pas d'énergie. Et donc, si je refais, donc on recommence. 200 plus 100 plus 100 plus 200 plus 100 plus 100 plus 100 plus 50. Alors, donc tac. Racine carrée du cosinus. Bah, ça fait 568. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Monsieur était là, monsieur Tata Yoyo. Ça fait 568, je suis désolée, hein. Ça fait 568 années à tirer. Je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, non, quoi. Alors, je reprends, tiens, bah, la carte, elle a voltigé. Bah, voilà. Prospérité, contrat. Non, ça, je peux pas le dire. Non, ça, je peux pas, je peux pas. Non, non, je peux pas. Je peux pas parce que d'abord, ce jeu, il se lit dans ce sens-là, c'est mieux. On le lit dans ce sens-là. Je peux pas, c'est trop grave. Non, je peux pas. C'est trop grave. C'est trop grave. Je peux pas. Bon, alors, j'espère que vous avez bien compris les prédictions. Je suis sincèrement désolée pour toutes ces mauvaises nouvelles, tous ces flashs bah, que j'ai eus cette nuit. Donc j'ai un nouveau site internet. J'ai un nouveau site internet. Je coûte moins cher que les autres. D'ailleurs, pour ceux qui pensent qu'un professionnel coûte cher, vous n'imaginez pas ce que peut coûter un incompétent. Oui, pour ceux qui pensent qu'un professionnel coûte cher, vous n'imaginez pas ce que peut vous coûter un incompétent. Et donc, si je reprends du début, donc le Just Be Witch Oracle,
Les révélations, hein, avec la clé. Donc les révélations, on a une nouvelle solution avec le lapin et le champignon nucléaire. Et le lapin, c'est Pâques. Et voilà, tada! Il faut que je vous taquine un petit peu quand même, on ne peut pas tout le temps. Je sais, c'est un peu sarcastique, ça fait des références littéraires à certains très grands cartomanciens et cartomanciennes, mais je pense que vous saurez apprécier cet humour à sa juste valeur, sans rancune et sans méchanceté aucune. C'est un poisson d'avril, nous sommes le 1er avril. Et voilà, roulez mes amis d'ici ou d'ailleurs. Le jeu est tombé tout seul. Là, c'est pour de vrai, par contre. Hein. Roulez, 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 roulez. On avance, on avance, on avance. Dans l'amour, la bienveillance, c'est difficile, c'est compliqué. Bien entendu, on se prépare pour le grand journal des lumineux. Et bien entendu, je vais vous faire de vraies prédictions de voyance. Mais ça, c'est un vrai jeu, par contre. Hein. Le Just Be Witch, c'est un vrai jeu. C'est une vraie cartomancienne pour de vrai, et plus encore si affinité. Bye bye.